André Villeneuve et l'œuvre que l'on entendra ce soir dédiée à Jules Tremblay, créée par Louis Bessette, est le premier prélude d'un livre de préludes. Et ce premier prélude s'intitule « Écho de la persévérance ». Lorsque j'écris, je fais avancer une idée coûte que coûte. Et puisqu'on fait, on fait un lien avec Jules Tremblay. Alors, chez Jules Tremblay, c'est un homme de nuances et de digressions. Une idée prend plusieurs voies, prend plusieurs couleurs. Comme des métaphores les unes des autres. Et dans ces multiples voies et directions que l'emprunte, tout fait sens. C'est un homme de la suggestion. C'est un homme de la suggestion. Sonore et formel. De mon côté, c'est une idée qui, coûte que coûte, avance comme un rouleau compresseur, modelé par l'harmonie, remodelé par l'harmonie sans cesse. L'écriture pianistique de l'œuvre est très distincte de celle de Jules Tremblay. Mais il y a, à mon avis, quelque chose qui nous est tous commun, c'est-à-dire à tous et à chacun de ses élèves, c'est une attention toute particulière au monde des sons, au monde sonore, à l'harmonie, à son déploiement, à son modelage. Il nous a invités, véritablement tous et chacun de ses élèves, non seulement à porter attention, mais une fine attention au monde des sons, mais il nous a donné les moyens pour le modeler, le sculpter. C'est étonnant, ce soir, je suis convaincu que le public verra, selon les personnalités de chacun, une belle filiation.